Good morgen, Aleiden, les Yusra, aujourd'hui, le Lunishmat, Mouravi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo, Binyamin, Ben Mazal, ainsi que l'Irfouat, Sarah, Bat Beti Rivka, Rafael Zulun, Ben Chayamalia, Myriam, Bat Chassida, et Dov, Ben Yudit, Betor, Chakol Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de deux Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Rolin, Père Guimel, Mishnah, Hey, Achuzat Hadam, Ve Ameushenet, Ve Ametsunenet, Ve Sheachla, Harduf, Ni, Ve Sheachla, Tsoat, Tarnegolim, או ששתתה מים הרעים, כשרה. אכלה סבא מוות, או שהיא קישה הנחש, מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות. פרנסיפ דו למשנה, תחי תחסם. ומאפריס כמתנו, לטרפות. לטרפות, זה דיספונקציונמנט דנקור, פרסקו, יא דמור מנקן, דמור פרפורי, דפיסיון, ועקוז דוסה לאנימל אמורן. Donc ça fait que l'animal, il est ce qu'on appelle tréfa, on a un interdit de la Torah de le manger, même si on lui fait la shrita, parce que l'animal n'est pas viable. D'accord ? Le but de notre Mishnah maintenant, il est de découvrir toutes sortes de causes qui font que l'animal non plus ne sera pas viable, mais que malgré tout, il reste kasher, il n'est pas devenu tréfa. Même si, concrètement, dans les prochaines heures, il va mourir, parce qu'il y a eu tel ou tel incident. Donc la Mishnah va rentrer maintenant dans tous les détails des incidents, tout type en fait de maladie. Dans la mesure où le corps il est intact, c'est juste un problème de dysfonctionnement, un problème de... Eh bien, dans ce cas-là, l'animal est caché à la consommation, d'accord? C'est une règle, c'est comme ça, je ne pense pas qu'il y ait une logique particulière. La toile elle a insisté sur la tréfa. La tréfa, c'est un corps avec un problème. Alors que là, le corps, il est de son côté très bien. Il a d'autres problèmes techniques, pourquoi, pour lesquels ils vont faire que l'animal est en train de mourir, mais ce n'est pas une raison de rendre l'animal tréfa. D'accord ? Du coup, on va voir toutes sortes de maladies. On va tant bien que mal traduire. Il y a deux explications sur les trois premiers mots. Regardez. Achuzat Adam, celle qui a trop de sang. Ça arrive, je ne sais pas pourquoi ça peut arriver. À l'époque, il guérissait beaucoup avec le sang, avec le Rambam aussi. La réfoie du Rambam, qui était une réfoie qui marchait parfaitement. C'est des témoignages de folie sur ça pour expliquer comment le Rambam ça marchait. Il discernait la lecha levana, les liquides blancs, les liquides rouges, les liquides noirs dans le corps, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, je crois que c'est ça frôle la sorcellerie, quoi, de guérir de la sorte. Ouais, ou les illuminés qui sont trop naturopathes. J'ai rien contre la naturopathe, mais dans la mesure où c'est mieux obsessif et qu'on veut plus guérir à cause de ça, alors ouais, il y a des problèmes techniques. En tout cas, Achuzat Adam, celle qui a eu un excédent de sang. À l'époque, il guérissait beaucoup avec le sang. Il y avait trop de sang, pas assez de sang. Il y avait des techniques entières où il faisait justement les saignées, et par là, il se guérissait. Achuzat Adam, donc, c'est celle qui a eu l'animal qui a eu un excédent de sang. Veha Meushenet. Meushenet, ça vient de Hashan. Alors, littéralement, ça peut se traduire qu'elle a trop fumé. Elle a pris un coup de fumée, que maintenant, elle est en train de s'étouffer, de mourir. Veha Metsunenet, c'est celle qui a pris froid. Elle a pris un coup de froid trop violent. Elle a une grippe. Le chia, d'accord. Ça, c'est comme ça qu'on traduit la première interprétation du Barthénora. Après, il continue en nous rapportant selon l'Ambam, avec les règles de la... je sais pas c'est quoi exactement, des liquides qu'on trouve dans le corps, le liquide blanc, le liquide rouge, le liquide noir. Ouais, je sais pas ce que c'est. Donc, le Rambam, il explique de la sorte, en tout cas, qu'elle a eu un problème de ce côté-là. Veshachla Hardoufni, c'est celle qui a mangé du Hardoufni, c'est une sorte de végétal dangereux pour l'animal, qui peut la tuer, qui va la tuer même certainement, c'est un poison pour elle. Veshachla Tsoat Tarnegolim, et qui a mangé des excréments de Tarnegolim, de poules, de volailles, c'est dangereux pour les animaux, c'est un poison pour eux. O Sheshatata Maim Haraim, ou encore si elle a bu des maïmaraïm. Maïmaraïm, c'est de l'eau qui est restée découverte et qu'il y a eu un serpent qui est venu, qui a bu dedans en jetant du venin dedans. Dans tous ces cas de figure, si l'animal a consommé ces choses-là, et donc à cause de ça, on voit que l'animal est en train de tourner de l'œil et dans pas longtemps il va mourir, on se dépêche d'aller faire la shrita, et bien, kshera, c'est kasher, il n'y a pas de problème. Parce que le corps, comme on a dit, il est intact. En soi-même. Il n'a pas eu de membres manquants ou déficients. Ensuite, la Mishnah continue en disant « Achlasa mamavet oshehi kisha nachash » si elle a mangé du poison, elle a ingurgité du poison. « Oshehi kisha nachash » du poison qui est du poison aussi pour l'homme.
Ou encore qu'elle était mordue par un serpent, donc elle est en train de mourir. Alors la Mishnah m'enseigne, Mouter et Mishum Trefa. Du côté de Trefa, il n'y a aucun problème à consommer. Mais il y a quand même un autre problème à cause de Vasura Mishum Sakanat Nefashot. Mais elle reste quand même interdite à consommer à cause de Sakanat Nefashot. C'est un danger public. C'est très dangereux de la manger. C'est-à-dire, si je vais manger un animal qui était mordu par un serpent, et là maintenant je vois qu'il est en train de se propager, je lui fais la shrita, je veux le manger. Peut-être que dans le morceau de viande que je vais manger, il y a déjà eu le venin qui a atteint cette partie-là, et puis moi je vais l'ingurgiter dans le ventre, et chas v'shalom, en mangeant, on peut y passer aussi. De ce fait, la Mishnah me dit, sache que du point de vue côté tréfa, il n'y a pas de problème, mais côté danger, c'est encore plus dangereux. Vous allez me dire, quel est l'intérêt dans ce cas-là, puisque l'animal il est interdit à la consommation, qu'est-ce que ça peut me faire, pourquoi tu l'interdis? Il y a le Tiferet Israël, cette fois-ci, pas dans le Yachin, mais dans le Boaz, qui s'occupe beaucoup de rallonger sur la question, très succinctement. Tout d'abord, il exclut l'éventualité de dire que on aurait pu répondre de... Imaginez qu'il y avait une personne qui n'était pas au courant, qui a mangé un bout de sa viande, et j'ai vu qu'il n'est pas mort. Est-ce que j'aurais le droit d'en manger? Et alors là, on pourrait interpréter comme ça la Mishnah, que c'est permis pour la tréfa. Il n'y a pas d'interdit à manger, en théorie, si c'est le problème du danger. Il y a un problème de danger, j'ai vu que mon voisin il a mangé, il n'est pas mort, donc moi aussi je peux manger, mais pas mourir. Eh bien, le petit Fadzal dit que c'est faux, parce que ça arrive que dans telle partie, le venin s'est propagé, dans telle partie, le venin ne s'est pas propagé, donc ça ne peut pas être une réponse. Et sur ça, le Tiferet Israël apporte plusieurs nafkaminotes pour différencier les halachot selon le cas, si c'est interdit à cause d'un danger ou à cause d'un interdit de la Torah. Lorsque c'est un interdit de la Torah, on a quand même l'avantage que parfois on va pouvoir le permettre, Béchichim, si toutefois ça va s'annuler à l'intérieur de 60, tandis que quelque chose qui est dangereux, même si ça s'annule dans 60 semblables, eh bien le danger est encore présent. Il rapporte encore une autre différence. Si j'ai pris cette viande, je l'ai faite cuire dans une casserole. Si c'est de la viande de tréfa, j'ai fait cuire dans la casserole elle devient interdite, sur les lois de, pour lesquelles on n'a pas le droit d'utiliser les ustensiles des goïms. Tandis que si ça a cause d'un danger, eh bien pour les dangers, le goût du danger ne se fait pas ingurgiter dans les ustensiles au point de le recracher lorsque je vais faire cuire. Donc si j'ai fait cuire cette viande où il y avait du venin dans ma casserole, et qu'après je lave la casserole, je peux faire cuire une autre viande sans me soucier d'un danger, étant donné que la viande, elle était permise du point de vue tréfa. Il n'y avait pas d'interdit de tréfa, il y avait juste un problème de danger. Le danger ne se fait pas ingurgiter par les parois, donc on pourra faire cuire une viande ensuite. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, laisse la faculté, etc.